Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial SILA sous Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité concernant le pays d'Haïti, malgré gros décision, la Cour suprême pays Kenya prend vendredi 26 janvier pour bloquer l'arrivée force police Kenya dans le pays d'Haïti. Président William Ruto, by assurance pays Kenya, a fait gros effort pour kembe promesse envers Haïti. Leader pays africain. Africain William Ruto by garanti d'ici semaine prochaine soldats a commencé river dans pays d'Haïti si et seulement si gouvernement haïtien remplit toutes conditions selon information et président William Ruto fait connait la Cour suprême pays Kenya exige pour c'est un accord bilatéral qui joigne entre deux pays sans yo pas fourer Nations Unies là-dedans là. Et bien dans ce sens ça président fait connait toutes conditions déjà sur route là pour réunir nan jou k'ap vini la pou soldat kenyan yo commencé rive nan pays d'Haïti. L'autre point nan actualité a ancienne première dame Martine Moïse wè li même li genyen yon mandat d'amener d'elle et ses juges instructeurs Walter Wessé Voltaire qui mettait mandat ça nan cadre dossier qui gen pou wè ak assassinat Jovenel Moïse. Martine Moïse qui était eh bien pas répondre présent avec invitation juge Walter Wessé Voltaire dans cadre enquête cap mené sous Marie-Li qui c'est président Jovenel qui était assassiné 6 pour 7 juillet 2021 la Kaili dans pèlerin 5. Et bien dans ce sens ça gagné juge Walter Wessé Voltaire qui lui-même depuis 25 octobre 2023 mettait un mandat d'amener derrière Martine Moïse qui gagné non cité dans assassinat Jovenel Moïse. Toujours dans même dossier ça dans réquisitoire définitif commissaire gouvernement Port-au-Prince Edler Guillaume lui-même li voyé diverses personnalités bay juge instruction Walter Wessé Voltaire pour que yo voyé yo devant tribunal criminel dans cadre dossier qui gen pour ak assassinat Jovenel Moïse parmi yo Claude Joseph lui-même avec Gonzague Dey et Jean-Tel Joseph tout moun sa yo yo genyen non yo cité dans ça qui gen pour ak assassinat Jovenel Moïse et c'est commissaire gouvernement Port-au-Prince Jean Edler Guillaume qui nan réquisitoire définitif li adressé avec juge instructeur Walter Wessé Voltaire pour que yo même yo ta poursuivre moun sa yo. En revanche, genyen leader parti politique EDA Claude Joseph qui dit li comprendre c'est un matraquage politique qu'a fait nan yon note li mette dehors ancien ministre affaires étrangères Claude Joseph fait qu'on est mesdames et messieurs, eh bien ça li wè qu'a fait là c'est instrumentalisation et la justice nan pays d'Haïti c'est jouet gouvernement a fait pour que yo même yo persécuté yo politiquement. L'autre point dans l'actualité, diverses zones dans la zone métropolitaine, eh bien, dans la région métropolitaine, en bas, gros menace bandit, c'est le cas de Pernier, bandit 400 Maouzo, dans Touke Koudzam, et bandit Krasé Barrière, cap dirigé respectivement par Lamor Sanjou, et Vite l'homme innocent, la cause divers monde obligé à courir quitter la caillou, et une quantité les autres qui blessés, si là, qui est perdu la vie, en bas, coup de balle, situation qui vraiment mangomé. Nan Pernier nan Torsel c'est pas seulement en l'air nan Pernier mais tout nan bas et la villa gagné nan zone et la Saline nan Cité Soleil c'est même soir pour population cap courir et passer par là nan et situation et bandi cap envahi yo. Et bien nan international la gagné Washington qui paraît pour que li répondre avec attaque qui fait nan Jordanie qui la cause 3 soldats américain perdu la vie au président américain Joe Biden li pa bay dat li pa bay le mais dit Washington prend toute disposition pour yo venger soldats américains qui tombent. Point ça yo n'a invité au suivre yo dans la voix d'Amérique à rendez-vous depuis Washington DC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizère, depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique en Washington. Yon plaisir, on l'autre fois encore pour ensemble, pour nous présenter un programme dans l'ancol haïtien, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité à concernant pays d'Haïti, président pays Kenya, William Ruto, fait qu'on est pays à avancer dans projet pour déploiement force policière dans pays d'Haïti, malgré décision défavorable tribunal suprême pays. Dans le pays d'Haïti même, levé campé anti-gouvernemental a continué pendant le pays à vivre. Deuxième journée, il y a un mode de grève 3 jours.
Actualité aux États-Unis, président Joe Biden prend décision pour Washington répondre comme ça doit après groupe qui en faveur Iran tape la vie 3 soldats américains dans Jordanie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois, encore merci d'être choisi VOA Creole pour informer aux nouvelles concernant le pays d'Haïti. Eh bien, c'est actualité ça que nous avons commencé pour vous. Nouvelle qui sorti dans le pays Kenya. Fait qu'on est que président pays ça, William Ruto, eh bien, il dit que le pays a avancé dans la direction projet pour voir force police dans le pays d'Haïti malgré décision Cour suprême prend et en décision défavorable. Sandra Lemaire, gain détail. Politically, Kenya pral poussé pour pied devant avec plan li gagnant pour diriger une mission sécurité l'ONU approuvée pour Haïti malgré décision au tribunal dans Nairobi prend semaine passée pour bloquer déploiement. C'est ça président William Ruto dit agence nouvelle Reuters mardi 30 janvier. C'est États-Unis qui a financé force internationale là qui visait tacler zak violence gangyo dans pays d'Haïti qui était la cause presque 5000 moun té mouri année passée à. Mission hein, t'es venu en doute après un tribunal kenyan t'es décidé li pas constitutionnel pour déployer soldats dans pays étranger à moins que un arrangement réciproque existe dans pays côté à voyer policiers yo. Ruto dit Haïti t'es mandé assistance ça, ça gagne plusieurs mois de ça et que l'étape tonne une demande officielle qui t'a dû arriver avant longtemps pour satisfaire demande tribunal là. I think there is a misinterpretation of what the court did. Li di mwen kwè moun mal interprété sa tribunal la fè. Tribunal la ba yon option différent. Tribunal la di OK, pa passe pa Conseil Sécurité Nationale la ak Parlement ki se voix yo toujours prend le nou envisager déployer la MEA. Li di servi avec voix bilatérale pito. Donc, tribunal a suggéré nous pas obligés prendre chemin qui mandait plus de travail là. Nous tout simplement obligés gagner un accord bilatéral entre Kenya et Haïti. Et ça suffit pour nous déployer policiers nous l'autre bord. Our police. Haïti t'a demandé assistance pour première fois en 2022 dans moment zak violence gang yo tap augmenté mais li pat ka joine aucun pays pour prendre mission en charge en pile gouvernement étranger gen ka sauté pour appuyer gouvernement haïtien qui pas élu. Kenya bon côté pali gagne une longue histoire avec opération maintien la paix internationale. Li t'a accepté finalement pour prendre mission en charge dans mois de juillet 2023 et puis promettre pour contribuer 1000 policiers. Ruto dit Kenya a fait ça pour porter solidarité pour un pays qui considéré tant qu'un frère. Kansas stepping in to try and help in a desperate situation. There is a real danger. Bahamas, Antigua et Barbuda et puis Jamaïque disent d'accord contribuer policiers tout. États-Unis promettent 200 millions de dollars pour aider déploiement des rapés. Semaine passée, Nations Unies a publié un rapport qui dit qu'il y a 4 789 personnes qui étaient mortes en bas d'actes violents. Gagnon année passée, c'est une augmentation 119% comparé avec l'année 2022. Gagnon 3 000 personnes que Gagnon kidnappé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Toujours nouvelle concernant pays d'Haïti. Pape gen grève demain mercredi 31 janvier. Organisateur qui était lancé mot d'ordre grève 3 joyo, levé grève ça. Après-midi, et Wena Toussaint, trouvé dans Port-au-Prince, dans la capitale haïtienne. Différentes organisations syndicales qui étaient lancé 3 journées grève générale dans tout pays lundi 29. Mardi 30 et mercredi 31 janvier, annoncé yo levé grève ça après-midi mardi en attendant autorité compétente yo satisfaire revendication yo. Sanson Dumé, cap dirigé brigade syndicale anticorruption BISAC, c'est yon nan initiateur yo. Nous levé provisoirement et troisième jour nous annulé li. En même temps, n'a adressé avec autorité yo pour que yo fait tout ça yo connaît. Pour adresser le problème d'insécurité généralisée qui gagne sur la route nationale. Et nous tout promettre population, si toutefois que l'État, le gouvernement, pas prendre des dispositions rapides, vite, pour résoudre le problème. Ça. Donc nous-mêmes, nous promettons à partir de semaine demain, nous comptons reprendre le mouvement de mobilisation. Ça. Et pendant que nous reprenons le mot d'ordre grève, si toutefois le gouvernement pas prendre des dispositions rapides, pour laisser regarder qui j'en le cadre, ces dossiers,
question insécurité, nous-mêmes nous allons passer dans l'autre étape pendant que nous continuons à encourager tout secteur dans le cadre de mobilisation qui déclenche sous PA depuis environ et 11 mètres et demi par rapport avec problème insécurité, tout le problème que nous-mêmes nous avons confronté, problème gouvernance, problème la vie chère, problème et toute l'autre situation nous connaît, grand groupe qui vient dans le pays, pas gagner emploi, tout ça que nous avons vivre par rapport avec ça qui a passé dans le quartier populaire, côté que bandit a attaqué la population. Donc tout ça a interpellé nous et c'est dans ce sens que nous avons continué à protester pour demander au gouvernement lui-même pour la responsabilité. Bon côté Paul, Dominique Saint-Éloi, qui est coordonnateur général CNOA, dit principale revendication, yo, c'est contre l'insécurité, contre le kidnapping, à contre la vie chère, grand goût qui blaille sous pays. Je dis à Femme Douke, pas aucun secteur qui est épargné en bas insécurité généralisée qui est dans le pays. Je dis à Moun Canaran qui te caillou. Moun ki ou kwa de bouke ki te kayo. Moun ki habite Kafoufeye ki te kayo. Moun Solino ki te kayo. Moun Belè ki te kayo. Donc, ou pa ka traverse Grand Sud la pour aller et dans le Sud ou bien Grand Dans, Sud-Est, Nip. Ou pa kapab traverse pour aller dans Grand Noa. C'est rançonné à rançonné quelque sa machine trafic là. Donc, je dis à moun ki pa victime de l'insécurité ya, c'est moun dans l'État yo avec patron yo. En tout cas, selon constat, VO à Créole. Deuxième journée grève ça, mardi 30 janvier 2024 là, pas mordé à 100% dans zone adjacente Port-au-Prince. En pile l'école fonctionnait, banque commerciale, marché informel lieu fonctionnait en grande partie avec transport en commun qui marchait au ralenti. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. Levé campé anti-gouvernemental là prend plusieurs formes. Forme grève, bien que deux journées de grève, pour un pile monde pas totalement et prend. Et puis, gain, levé campé tout sous forme manifestation, sous forme slogan. Nous, gain déclaration, et leader Petit Dessalines, ancien sénateur, Moïse Jean-Charles, dans nos pays. C'est facile. Vous connaissez, on campe très bien. Depuis Madeline, Madeline, qui est de la caillou, son manifestation, c'est tête. Pour nous retirer à Yel, tout le monde va aller, nous va camper, nous va parler, nous va manifester, nous va faire tout ce qu'on est. Faut aller, monde donne raison. Après, je dis, comment ça vient? Allez, pas camper. Donc c'était un ancien sénateur, leader Petit Dessalines Moïse Jean-Charles qui a demandé départ Premier ministre Ariel Henry. Même Jean Tour gagnait responsable parti politique Unir, Clarence Renoir qui demandait Premier ministre Ariel Henry pour le remettre démission avant 7 février. Kapvin là, en entendant yon extrait dans et déclaration que le fait, mais plutôt yon reportage de Yves Manuel. À l'approche date 7 février 2024 là, qui c'est date yon président entré en fonction officiellement dans le pays d'Haïti, en pile voix continue à lever pour demander Premier ministre Ariel Henry démissionner. Froissa, c'est tout pas les deux partis unis en l'an Clarence Renoir. Jodia, Premier ministre Ariel Henry, t'en rivez pour vous en tant que patriote et chrétien pour prendre une décision pour sauver le pays. Démissionner, quitter ça. Premier ministre Ariel Henry et tout gouvernement ayant passé plus passé deux années sans l'y pas arriver mettre pays sous bon rail. Clarence Renoir estimé pendant tout temps ça trop sans couler. Chef gouvernement, selon M. Renoir, doit éviter pays de yon guerre civile. Ou t'es essayé de servir pays pendant temps de crise. Malheureusement, ou pas réussi à rassembler famille haïtienne. Je dis à M. le Premier ministre, faut qu'on évite pays ça. Guerre ça, guerre civile qui a menacé là, trop sang coulé déjà, nous ramassons trop cadavres déjà. Je dis à Parti politique Unir, Union nationale pour intégrité et réconciliation, mandez-vous pour inviter force vive pays, mettez-vous chita pour eux, mettez-vous au pouvoir dans l'esprit pour nous éviter catastrophe ça qui menace les pays ici. Chef gouvernement, dans la dernière communication, il fait pendant ce moment, mandez population pour être tête frette. Corre force sécurité nationale yo et puis veiller pour pas prendre un piège intimidation. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole.
Actualité internationale ou toujours sous VOA Creole. Ici aux États-Unis, président Joe Biden, eh ben, il prend décision pour Washington répondre comme ça doit. Après, il y a un groupe qui en faveur Iran, eh ben, prend la vie 3 soldats américains dans le pays Jordanie. Et détail avec Marie-Luce Pierre. Le président Joe Biden dit déjà décidé qu'il va aux États-Unis pour aller prendre attaque avec le Nord, ainsi Jordanie, qui était la cause toi réserviste armée américaine, perdu la vie. Cependant, dans le palais lié à journalistes, avant d'être monté dans l'hélicoptère présidentiel, Biden a refusé aucun détail sur qui genre États-Unis pour répondre. Attaque du Nord qui fait pendant le week-end contre une base américaine dans Jordanie, tout près frontière la Syrie, qui la cause 40 000 blessés. Le journaliste Mandel, qui j'en réponse n'en parle différent. À façon États-Unis te répondent Zak agression, groupe Iran à Pieyo, Biden te répond nous pour l'ouest. Je ne crois pas que la guerre a gagné plus toujours le Moyen-Orient. C'est pas ça, m'a cherché. Pour parole Conseil de sécurité nationale à John Kirby, fait qu'on est président de Palais avec famille 3 soldats qui ont perdu la vie dans l'attaque jordanienne. John Kirby. He was grateful for their time. He expressed to them how proud we all are of their service. Président est reconnaissant pour le temps qu'il a accordé pour parler à lui. Il exprime fierté pour service au grand pays. Et puis, il dit nous en deuil et nous gagnons pile chagrin à cause de la mort. Il dit rassurer la famille que service au grand pays, c'est un sacrifice que les Américains honorés et respectés et que le pays a pour continuer à appuyer pendant qu'il a vécu un moment difficile que aucune famille n'a pas aimé vivre. De l'autre côté, la Chine exprime qu'elle saute pour situation en Moyen-Orient, que l'on décrit comme très compliquée et très sensible. Pékin mande toute partie pour mettre de l'eau dans le divin. Après déclaration Biden te fait pour dire États-Unis pour répondre à l'attaque avec drone qui touille 3 Américains dans le nord-est Jordanie. Wang Wenbin, c'est porte-parole ministère des Affaires étrangères de la Chine. Lydie, situation en Moyen-Orient très compliquée et très sensible. Et nous espérons que les conseillers pour rester calmes, pour mettre de l'eau dans le divin, pour renforcer le dialogue et la communication, pour éviter de prendre un appel insecte vicieux, représailles et puis empêcher la tension d'augmenter plus toujours dans la région. Président Biden dit l'Iran Iran responsable pour fournir des armes qui étaient servies pour lancer l'attaque là. Le journaliste Mandel, qui s'allie pour le dit parlementaire démocratique, qui vient qu'à sauter pour la guerre Moyen-Orient, pas propager plus toujours, lui était bail, même réponse là. Marie-Luce Pierre, VOA Creole, Washington. Actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas a continué pendant une enquête sur une entité qui est responsable assistance humanitaire dans les Nations Unies pour Palestine. Eh bien, il y a un reportage gentil, Augustin Junior. L'armée Israël-là a groupe armé Hamas là continue à toquer cogno dans Gaza, ça qui la population gazaouia dans gros problème humanitaire, alors que Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens qui responsable programme humanitaire dans pays Palestine, gen gros enquête qui l'ouvre sous lit parce que quelques nan employé liyo ta participé dans attaque 7 octobre 2023. It is not enough to suspend the funds. Li pas assez pour couper financement Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo. Nous espérons communauté internationale là complètement suspend financement. Yon législateur israélien mandé pour dissolution Agence Nations Unies qui responsable réfugiés palestiniens yo, yon citoyen palestinien ta plaignent pour aide yo pas ka joindre. Nous presque pas joindre aide kounye ya. Qui donc, qui ça qui pral rive après États-Unis ak l'autre pays yo coupé financement yo by UNRWA. Ça ta vle di yon catastrophe humanitaire. Jodi mardi 30 janvier ya, Organisation Mondiale la Santé a mandé donateur yo pour yo pas suspendre financement yo. We appeal. Nous mandé donateur yo pour yo pas suspendre financement ya by UNRWA nan moment critique ça. Couper financement pral seulement fait mal ak moun Gaza yo ki désespéré
et puis qui besoin support. Les États-Unis pral examiner avec en pile attention action agence aide palestinienne Nations Unies yote prend en réponse à ça li rele profondément bouleversé. We haven't had the ability to investigate them ourselves. Nous pas gen capacité pour mener enquête là sou yo, mais yo très crédible. En même temps et même j'en te dia UNRWA te joué et continue à jouer un rôle indispensable pour assurer que garçons, femmes et timoun yo qui désespéré besoin aide Gaza joine li et personne pas capable jouer rôle ça. Militaire israélien yo te di ayer lundi 29 janvier ya, yo pral kenbe pression sous ville Khan Younis dans sud région Gaza qui te sujet offensif israélien yan pendant plusieurs semaines. Et li te di li te touye plus passé 2000 militants palestiniens. Jodi ya nous gen 3 objectifs pour la guerre ya: éliminer Hamas, retourner otage ak kenbe unité nan mitan peuple Israël. Pendant ce temps, à peu près 100 manifestants étaient rassemblés dans San Jose, Californie, hier lundi 29 janvier, pour demander vice-président Kamala Harris pour supporter un suspens tiré permanent dans Gaza. What's going on right now is a genocide. C'est génocide. C'est une violation de droit moun. C'est une gros crise santé publique. Et nous ici là pour demander vice-président Harris pour un suspens tiré et puis voyer aide humanitaire immédiate dans Gaza. UNRWA te confirmé à Yelindia qu'elle était déjà révoqué quelques employés liyo qui étaient soi-disant participé dans attaque là et que investigation yo déjà commencé. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. N'abrite toujours dans l'actualité concernant Moyen-Orient, un peuple Israël accusé 12 employés yon agence Nations Unies dit qui t'a impliqué dans attaque Hamas 7 octobre là, ça qui poussait les États-Unis avec plusieurs autres pays couper financement yo. Antonio Guterres qui c'est secrétaire général Nations Unies, un bel mandé donateur yo, pas faire ça, pas couper aide là, Valerio Saint-Louis. Chef Nations Unies Antonio Guterres mandé pays donateur pour continuer financer agence qui fournit aide à peuple palestinien dans Gaza. Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens ça que yo reconnaît en bas sigle UNRWA, li employé plusieurs milliers moun et puis li bay aide à service vital pour plusieurs millions moun à travers Moyen-Orient. Yo te accusé 12 nan employés agence ça pour implication yo dans attaque 7 octobre là sous peuple Israël là. Antonio Guterres a ajouté que lui-même personnellement, il gagne gros la Pérez pour tête accusation ça yo. Secretary General has remained very active on this issue throughout the weekend. Porte-parole secrétaire général là Stéphane Dujarric t'a dit hier lundi que Antonio Guterres prend engagement pour assurer que une enquête a faite le plus rapidement que possible et avec efficacité sous question ça et que n'importe employé qui t'a impliqué dans zak la terre contre peuple Israël là va obligé prendre responsabilité li et a persécuté en tant que criminel devant la justice. Agence des Associated Press joignent un document que Israéliens ont publié hier lundi et qui détaille accusation qui ont été faites sous un professeur des Nations Unies, ensemble avec un travailleur social qui est même employé dans une agence SAIO que ils reconnaissent comme UNRWA. Employé des Nations Unies SAIO, t'as soi-disant entré dans le pays Israël, joue attaque mortelle là, t'es faite. Document accusé personnellement employé Nations Unies ça yo. Il t'a fait croire que dans quelques cas yo t'ai aidé prendre otage au soit coordonné transfert ZAM. The reports that we got last week and UNRWA brought them to us were deeply deeply troubling. Bon côté parler, secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit que l'impératif que UNWRA prenne responsabilité li et réviser procédure agence li. Rapport que nous t'ai recevoir semaine passée sous UNWRA t'est profondément bouleversant. Anthony Blinken t'a dit hier lundi pendant une conférence pour la presse ensemble avec secrétaire général organisation traité Nord-Atlantique là Jens Stoltenberg. Accusation ça a été déclenché une vague réduction dans financement agence Nations Unies ça dans zone là par gros donateur tant que États-Unis, pays Grande-Bretagne avec pays la France. Pays Autriche lui-même dit hier lundi que lui-même tout l'a campé assistance que le t'est compte bail. Porte-parole secrétaire général là Stéphane Dujarric dans un point pour la presse que l'habitué bail dans quartier général là t'est ajouté. While that's going on, people need to survive. Pendant que ça passe, nous avons besoin de survivre et puis nous besoin continuer bail si pour nous pour UNRWA ensemble avec tout travail humanitaire Nations Unies. N'a précisé tout que agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens UNRWA dans Gaza c'est agence ça qui fournissait principal dans affaires manger, de l'eau à cabri pour civils pendant la guerre entre peuple Israël et Hamas. Avec accusation ça qui tombait sous dos deux employés qui travaillent pour agence aide humanitaire Nations Unies dans Gaza, situation vient piment
commun. Peuple Israël a été fâché depuis longtemps contre l'agence là et il a été boudé agence ça que il a été accusé d'en tolérer ou soit même collaborer avec militants Hamas. Et n'a rappelé que l'attaque 7 octobre là a provoqué la guerre entre peuple Israël là et Hamas. Il y a la guerre qui touye plus passé 26 000 Palestiniens après une offensive militaire en l'air sous la mer et à terre que peuple Israël a été fait. Attaque Hamas te fait dans la date 7 octobre, te touye 1200 moun, surtout les civils. Et puis, yon te prend en otage à peu près 250 moun, d'après autorité israélienne. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Nous allons parler qu'on y a de immigration, dans le moment que gon go chirépite entre la Maison Blanche, entre Congrès, sous question immigration, et pendant ce temps, le président Joe Biden qui dit que depuis Congrès a bal autorité, la fermée frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Jean-Aubert Philippe, pendant la déclaration, ça a fait pendant le chirépite, et bien, migrants eux-mêmes, ils n'ont pas suspendu, exprimé volonté pour passer sous frontière pour rentrer ici aux États-Unis. Oui, ça va. J'en dis à Jacqueline, ça va empêcher que caravane, bon caravane qui saute, qui cap en direction nord et qui passe frontière. Mais nouvelle là, tout n'est pas réjouissant du tout, surtout pour le président mexicain qui lui-même dit, par sa pièce, et il n'est pas d'accord avec possibilité pour frontière ta fermée, vu que l'intérêt que ça gagne pour lui-même avec les États-Unis. Le président Joe Biden n'a pas écarté possibilité pour le fermer frontière États-Unis partagée avec Mexique si entente la chercher à Congrès capable de débloquer l'argent pour l'Ukraine. L'idée américaine a cherché à déjouer critiques à faire comme quoi sous façon de gérer dossier immigration sous frontière. Un dossier qui est capable de faire partie du débat élection présidentielle 2024. D'après un temps d'administration a cherché à Congrès, c'est autorité pour le fermer frontière automatiquement. Chaque fois, il a arrêté plus de 5 000 immigrants en moyenne qui traversaient frontière sans document légal. Président Biden mandé Congrès à fonds nécessaires, il était mandé le mois octobre passé pour sécuriser frontières. L'agence a permis à l'administration d'employer 1 300 gardes frontaliers, 375 juges d'immigration, 1 500 agents pour tendre des immigrants qui ont demandé asile aux États-Unis, avec 100 appareils technologiques pour aider, détecter et puis bloquer le passage de drogue fentanyl sous frontière. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui a parlé sur la possibilité pour les États-Unis de fermer les frontières, considéré l'action ça comme une démagogie. Las fronteras. Si, por ejemplo. Moi, j'ai un peu de respect pour le président Biden. Il a un bon comportement, même j'ai avec l'ancien président Donald Trump. Il a respecté pendant que nous comprenons les circonstances. Mais imaginez-vous fermer les frontières. Luz en la frente, no se podría. Puis loin, M. Wadol, qui a rencontré avec le journaliste, je dis, ce n'est pas une idée nous-mêmes imaginer comme une solution. Imaginez le niveau économique avec l'intégration commerciale qui existe entre nous. Mexique, c'est le principal partenaire commercial des États-Unis gagnés sur la planète-là. Qui gens nous capables de fermer les frontières? À tout respect, nous, qui gens nous pourra résoudre le problème d'immigration à fermer les frontières? Pour quelle raison proposition ça? Est-ce que c'est à cause de la gagner élection? Le président Biden, qui a cherché un autre mandat dans l'élection présidentielle 5 novembre, fait face à chiffres de co-arrestation immigrants qui cherchent à traverser les frontières illégalement. Républicain, il faut connaître, le président Biden doit suivre la politique Marie Saint-Thi, ancien président Donald Trump, qui a appliqué l'élite sous pouvoir. C'est président Donald Trump, dans la tête candidat, qui a cherché une nomination parti républicain pour l'élection présidentielle 2024. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci d'être toujours branché sur VOA Creole. Organisation NION, organisée pendant le week-end dans Washington, 15e sommet leadership dans Washington DC, avec tout, yon passation de pouvoir en Alouest à Pibre. NION, National Haitian American Elected Officials Network, réseau national élu haïtiano-américain, réalisé 15e sommet yo sous leadership dans Washington DC avec présence plus passé 70 élus ou bien nommés haïtiens-américains avec plusieurs membres Congrès américain comme invité spécial, donc keynote speaker, tant que sénateur Sheldon Whitehouse, sénateur Edward McKee, sans oublier un autre invité spécial qui c'est Marsh Mariol, qui c'est CEO National
National Urban League. Programme a commencé jeudi 25 janvier avec un tour dans la Maison Blanche et fini avec un déjeuner de prière avec Bishop Gregory Toussaint en passant par un gala dans samedi soir. Côté organisation, remettre distinction par plusieurs personnalités et membres organisation parmi eux député haïtiano-américain chez la chère Phyllis McCormick qui remercie Nyon. Briser le plafond glace là, ça n'a pas gagné assistance compétente. Ça veut dire ou la guerre pour contre n'a essayé de déchiffrer le problème là. Finalement, leur réussi à solutionner le problème là pour contre c'est le ça ou est qui j'en route la langue. Moi là, soit pour me dire nous devons travailler dans tête collée parce que nous devons pour nous péter notre plafond encore. Et c'est ça pour nous passer dans l'autre génération. Il y a la distinction Lifetime Achievement Award qui se récompense pour ensemble une carrière qui sortit dans la Maison Blanche et qui portait signature président Joe Biden qui a joint pasteur Joseph Teluska qui est un candidat pour chambre députée en bas bannière parti républicain. C'est député cher Phyllis McCormick qui était passé médaille là dans coup récipiendaire. Nous sentons que nous fiers de ce que Maison Blanche arrivé à reconnaître et tout travail n'a fait mon applaudi qui pendant plus que 20 ans dans la communauté. Et nous disons merci avec le président, avec staff. Galanion, c'était occasion tout pour une passation pouvoir côté Charnette Frédéric. Président sortant, tu as passé maillère par un nouveau président là qui c'est Marie Estimée Irvin. Madame Frédéric mandé soutien pour nouveau président. Comme nous connaissons pas l'autre chair, et bien qu'il y a une stratégie qui a fait, un peu de travail des portes là. En tant que pasteur woman, moi toujours dis, c'est pas seulement moi-même qui travaille, c'est toute une organisation qui travaille. Nous votons dans ça, nous supposons faire pour nous voir comment avancer. Marie Estimée Irvin, vice-magistrat North Miami, Floride, paré pour responsabilité. Bon, c'est avec un pile honneur et respect que moi prends responsabilité ça pour que moi voir la communauté haïtienne aux États-Unis. Mais ça qui est une bagaille que moi très qui très touché que m'a également en voix ou bien Nyon a en voix pour influencer et policy pour Haïti pour que nous fassions une différence en Haïti. Et puis Galat après le prenons l'autre niveau dans la question animation avec présence groupe Zafem avec maestro Denner Seyd. Programme nan tapral fini nan dimanche matin ak la prière, méditation, bénédiction, onction ak Bishop Grégory Toussaint. Non, presque arrivé dans fin programme là, il y a une dernière nouvelle concernant pays d'Haïti, gain juge instruction Walter ou sœur Voltaire qui sous dossier assassinat et président Jovenel Moïse là, ben li mettait yon mandat d'arrêt contre ancienne première dame Martine Moïse après juge la pas arrivé interroger madame et Martine Moïse, li pas gain chance pour rencontrer pour être capable poser le question sous dossier. D'après agence nouvelle à société de presse, mandat ça qui prend la rue lundi après-midi et ben qui datait 25 octobre 2003 et ben l'hypothèse signature juge Voltaire mandat ça qui seulement et dit que autorité yo a cherché faire interview avec Martine Moïse sous dossier assassinat ancien président ou bien défunt président Jovenel Moïse n'a va essayer rencontrer peut-être avec avocat ancienne première dame non éventuellement ancienne première dame non pour nous gain réaction yo sous dossier. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous connaît que demain encore n'a fidèle au rendez-vous avec Rendez-vous Info parce que c'est le seul rendez-vous qui gagne chaque 4 heures sorti lundi pour arriver vendredi. Moi c'est Jacques Belizère. Merci gentil Augustin Junior, merci Fred Kaimit, merci toute l'autre et membre équipe là et puis bon retour à Sandra Lemaire. Bonsoir.